Non, non et non. Alors là, non, rien à voir. Eh ben, je m'en fous qu'il y ait un sitting devant le campus. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vous vous trompez, hein? Vous vous trompez complètement. Vous n'y êtes pas du tout. Mais c'est pas le retour. Il vient pour cet après-midi. Mec, j'ai mis un an à me débarrasser de ce con. Comment ça, il a récupéré son bureau? Non, non, non. Right, I've got to show you guys. I'm in Prodigy. Ils se disent non, c'est pour un one shoot. Mais non, c'est juste pour aujourd'hui. Maintenant, il est de retour pour de bon. Et oui, le meilleur proviseur. He's back forever. Il est de retour. Non! Pour toujours. Au sein de la Salty Academy, en tant que proviseur de la Salty Academy. Non! Parce qu'il est le seul et unique. Non! Proviseur. Non! De cette Salty Academy. Non! Oui! Non, non, non! Il est là. Non! Ah, il est là, mais il va pas rester. Pour des soirées endiablées. Oui, pour une soirée. Avec six oui, oui, quelques heures. Et encore, si tu me casses pas les couilles. Vas-y, fais-moi en communication avec moi. C'est tout, c'est comme ça. Wow, wow, qu'est-ce que tu fous dans ce bureau? Mais je suis de retour. Je suis proviseur de la Salty Academy, mec. C'est vrai, je suis... Non, non. Tu es top. Ah oui, tu es top. Il est con. Si, tu me prends, c'est ça. Hein? Mais non, mais on a dit que c'était mon... On a dit, non, on a dit ferme ta gueule. On a dit, terminé. Non, non, Maryland, c'est bien, mec. Maryland. Non, ça a fermé. Il y a un problème d'imposition, je sais pas quoi. Oui. Ils ont saisi. Oui, imagine. Plus de thunes. Ils ont saisi Maryland. Je suis là. Oui. Proviseur de la Salty Academy. Non. Hey, j'en pleure. Bon. Tu m'as déjà cassé les couilles. Oui, non, mais c'est normal. Il est temps de faire preuve de brain. De capacité à jouer ensemble. Et ça, c'est là la difficulté du truc. C'est un test aujourd'hui, quelque part. Je pense qu'on est dans la merde. Allez, c'est parti. Ok. Maintenez ce bouton enfoncé pour parler. Tu m'entends là? Ça commence bien. Et toi, tu m'en reçois? Ah, c'est trop bien. Par contre, c'est pas très fort ton son. Et toi, tu m'entends? Oui, je t'entends, mais toujours pas très fort. Bah, faut aller dans les audios, tu les mets à 100, les deux volumes de chat vocaux. Ok, c'est mieux là ou pas? Bah, ça doit être mieux pour toi quand je parle maintenant. Ouais, mais je t'entends toujours un petit peu faiblement, mais bon. Ouais, moi aussi, mais c'est un peu mieux quand même. On a des piles pour la talkie-walkie ou c'est... Ok, je suis dans une salle. Je suis bloqué. T'as une porte que tu peux ouvrir, je pense, non? Hein? Ah oui, je peux ouvrir. Ah voilà. J'ai réussi la première énigme. Ouais, génial, bah, je suis juste à côté de toi, il y a un bar. Ok, j'ai une radio là où je suis. Ouais, il est en train de dire un truc. Regarde, il y a des volants là, poulet là. Oui, c'est pas des volants, c'est des manivelles. Ouais, c'est des manivelles, mais en fait, il y a des carrés. Moi, j'ai un triangle vert. Moi, j'ai un carré. Le carré, je pense qu'il va là, poulet. Essaye d'utiliser ça. Tu parles de ça? Oui. D'accord, alors je vais le mettre là. Tu peux le mettre là. Ah, je t'avais dit carré, ok, c'est bon. Ok. Il y a des trucs à tirer, moins 8, moins 4, moins 4 là. Je sais pas ce que c'est. Je suis dehors. Ah oui. N'attrape pas froid, hein. Il y a un truc là, attends. Nice. J'ai ouvert le garage, il m'en reste un. Il me reste une manivelle avec un... Tu sais, le touche directionnel d'une PlayStation, quoi, le plus. Reçu. Attends, j'ai un truc tout au top, là. Ah, c'est bon. Mon niveau, là. Ah, bah, c'est là, j'ai trouvé. Non, je l'ai. C'est là où je suis, poulet. Ah, d'accord, bah, moi j'ai une serrure avec un hexagone. C'est un hexagone. Attends, t'es où? Ok, d'accord. Ah, bien vu, faudrait trouver celui-là. Après, attends, je te montre ce que j'ai trouvé, moi. Ah oui, pas mal, ça. Il y a une fréquence à trouver, je pense.
Là, il y a une porte, là. Elle ne bougera pas d'un poil. Ok. Oh, putain. Oh, regarde, j'ai récupéré la machine, la manivelle. Mais elle est gelée. Il y a du feu quelque part. Faut que je la fasse... Je vais essayer de régler la radio parce que là, c'est le bordel. Ok. Là, t'entends quelque chose à la radio ou pas? Non, non, toujours pas. Bon, il y a un lien entre la radio du haut et la radio du bas, décidément. Je pense que c'est visuel, en fait. Viens, viens descendre dans la maison, que tu vois un petit peu comment c'est. Ouais. Regarde, tu vois, tu peux pousser des trucs, là. En fait, tu peux... Ah oui, la fréquence. Coïncider les deux fréquences. Je vais vérifier un truc, et peut-être que tu vas devoir retourner à la radio du bas et appuyer sur les boutons pousser du haut. Oui, c'est ça. Ok, écoute-moi. Ok, vas-y, vas-y, je t'écoute. Va à la radio et appuie sur le bouton flèche droite. Ok, on fait l'inverse, flèche gauche. J'ai compris. Encore. Encore. Une fois, tu fais la flèche bas, là. Encore un chouïa. C'est bizarre, on a le bon... Parce que viens à ma place, tu vas voir, tu vas comprendre. Alors attends, attends, attends. Reviens plus grand, vers le haut. Bam ! Bon, ça veut dire qu'on a trouvé une fréquence, mais il y a plusieurs fréquences avec plusieurs couleurs. Essaye de switcher les fréquences. Comment ça ? Bah là, le problème, c'est que je vois juste un truc vert comme toi, en fait, en bas. Non, mais quand il y a du vert comme moi, c'est que tu... On s'en fout. Faut que tu switches jusqu'à temps que tu vois apparaître... Tu les fais un par un, jusqu'à temps que tu vois apparaître une ligne. Mais pourquoi est-ce que l'une serait meilleure qu'une autre ? Je sais pas encore. Alors, essayons, s'il te plaît, avant de trouver le feu pour essayer de... Parce que la fréquence avec la radio, il manque peut-être quelque chose, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, clairement. Putain, on peut pas ouvrir cette... Là, j'ai envie de faire brûler ce truc-là. Un marteau, peut-être, autrement ? Ouais, un truc comme ça. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. La plaque chauffante. Ah, bien vu. Ok, je l'ai. Vas-y, viens avec moi. Plusieurs manettes. Ah, ça va coïncider avec le garage, ça. Moins 8. Alors, j'ai 7, 8, 5. Là, on peut pas les actionner, les manivelles. Ils disent que je n'ai pas le temps à perdre avec ça. Ouais, moi non plus. Donc, il y a un truc à faire avant. Donc, je pense que c'est la radio. Hein. Attends, je vais essayer de mettre un autre affichage sinusoïdal sur le truc et je vais te dire. Tu peux retourner à la radio, là, ou pas ? Ouais, deux petites secondes, poulet. Merci aussi à SK Aosh. Je vais le faire moi-même. Parce que lui, c'est un gros bolos. Tu branles quoi ? Désolé. Attends, j'essaye. C'est bon, j'ai trouvé une autre radio. Ça met de la musique sur celle-là aussi. Ok. Je vais faire la dernière. Je vais tester celle-là. Plus resserré. Non, plus large, pardon. Donc sur la droite, encore. C'est bizarre que ça passe pas là. Encore. Voilà, on l'a, on a un truc là. Charlie 753. Ouais, bah attends, t'as noté? Ah, on peut tirer les manettes là. Ok, donc qu'est-ce que ça fait ça? Je vais vérifier si on peut le faire aussi là-bas. Ouais. Oui, je peux bouger les manettes là. Il faut écouter ce que dit la radio sur les coordonnées là. Elle a donné des numéros. Ah mais je pense que c'est simple en fait. Moi c'est des additions et des... Enfin moi c'est des soustractions. Toi c'est des additions. Là pour le moment on est à 0, il faut monter à 6. Ouais c'est ça. Je vais baisser le 8, tu vas me dire ce que tu vois. Non t'es à 8. Donc je vais... Est-ce que t'as un plus 2? Non j'ai pas de 2. T'as un quoi? J'ai 8, 7, 5, 4, 7, 8. Y'a pas de nombre impair? Un 5? Ouais j'ai un seul 5 ouais. Mais en gros c'est juste des additions et des soustractions poulet. Mais non mais là c'est juste des maths poulet, y'a pas besoin de... Oh, c'est bien ça le problème. Ouais je sais bien, enfin je pense que c'est juste des maths. Arrête d'activer des trucs mais... J'ai rien à activer, y'a le 7 qui est activé ici, c'est tout. Le 7 et le 5 sont activés de mon côté. Le 7, le 5, le 8 sont activés moi. Arrête de faire n'importe quoi en espérant que ça va marcher poulet. Faut juste que tu comptes avec tout ce qu'on a, avec les plus et les moins pour arriver à 6, c'est tout hein. Oui mais moi j'ai rien touché. Je te dis que de mon côté il y a le 7, le 5 et le 8 qui sont activés. Est-ce que je les active ou les... Enfin est-ce que je les désactive? Attends je calcule.
Ah mais non, mais on peut aller au-dessus en fait. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Est-ce que tu peux faire un 14 de ton côté, c'est tout en fait? 14? Ouais, je peux. Des chiffres. Oui, je peux. C'est fait. Bah bim, c'est qui le patron? Putain, c'est qui le patron? Ça a fait quoi en fait, le fait d'activer nos trucs là? Ça a démarré le moteur, ça a démarré le camion. Ah ouais, carrément. Donc deux citernes sur une embarcation, ça démarre un camion. Ouais. Ok, super. Mais maintenant, il y a une histoire de coordonnées. Attends, et la porte surtout. Oui, mais il n'y a pas de serrure sur celle-là. Quelque part, une énigme, hein. Elle ne bougera pas d'un poil. Il faut un poil. Bien, c'est un jeu de mots, je pense. Mauvaise déduction. Bon, je fouille. Regarde, viens voir. C'est cette porte qu'on n'a pas ouverte. C'est celle-là qu'il faut ouvrir. Regarde, je te la montre avec mes doigts. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Non, y'a rien à lire. J'ai tu m'écoutes? On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Viens, regarde la porte, c'est celle-là qu'il faut ouvrir. Ok, excuse-moi, ouais. Il faut qu'on trouve un truc rectangulaire. Ok, très bien. Il y en avait une qui était frozen dehors, hein, donc il y en a peut-être une autre. Je vais remonter sur le toit, ça se trouve on n'a pas fait tous les toits. Ah, je l'ai. Elle était où, poulet? C'est sur le toit. Nice, c'est un monstre. Ok, il y a des manivelles ici. Ok, donc faut trouver les coordonnées. Il les donne. Donc là, il n'y a même pas à se prendre la tête, il faut aller réécouter la radio, poulet. Beta. Écoute, poulet, regarde, je vais te montrer un truc, je pense. Essaye de prendre. Essaye d'aller target le truc qui est tout en haut. Tu vois, il va la souligner. Donc en fait, il faut qu'on trouve le bon. Et il en faut 3. D'accord, ok, j'ai compris. La maison, on sait qu'elle est bonne. Non, il a dit une grotte déjà. Putain, faut que je note ou quoi? Fais-moi un stylo. Ok, donc on a plus besoin de lui, on les a. Ok, donc le premier, on le trouve avant de le prendre. C'est Charlie 753, B754. Ça, c'est la maison qui est tout en haut, ok? Qui s'appelle Scottler. Voilà, on l'a, c'est lui. Et le E169, c'est ça. C'est le sprit signal. On est d'accord. Ok, et le dernier, B481. Donc c'est l'Otari, là. C'est le Kiss from a Rose. Tu le vois, c'est l'espèce de Seals. Ça, là. Allô, t'es où? Tu fais quoi, là? J'ai freeze. Bah, arrête Alt-Tab! J'ai pas Alt-Tab, j'ai freeze. Chargement du point de sauvegarde. Ah! Allez, dis-moi qu'on n'est pas tout à refaire. Mais non, c'est pas possible qu'on ait tout à refaire. Bah, tu m'entends, là? Bah, voilà, il y a tout à refaire. Mais ça va prendre 3 minutes, hein. Ok. Ensuite, il y a la parabole. Et ensuite, il y a le phoque. Ok, je le vois. Ouais, c'est bon. Ah oui, c'est une triangulation, d'accord, ok. Bah, il pouvait directement donner le truc au milieu, quoi. Donc on peut prendre le camion, je pense, poulet. Hein. Allez.